Yo des listes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais parler eh bien tout simplement de mon retour sur le championnat de France qui s'est déroulé la semaine dernière. Dans l'idée de cette vidéo c'est tout simplement de vous parler à la fois de mes match-up, un petit peu de l'événement lui-même et puis tout simplement du deck profile que j'ai décidé de jouer. La vidéo va être assez rapide je pense parce qu'il n'y a pas un milliard de choses à dire. J'ai fait 7 rounds puisque je n'avais pas les 13 points nécessaires pour faire le J2. Ma decklist vous la connaissez, c'est une decklist à Sinister mais on va quand même faire un petit point là-dessus. J'en profite tout simplement avant que ne commence la vidéo pour remercier toutes les personnes extrêmement bienveillante que j'ai pu croiser pendant l'événement. Franchement c'est vraiment trop cool de voir autant de personnes. J'ai déjà demandé sur les réseaux sociaux, j'en ai déjà récupéré pas mal, mais si jamais pendant l'événement j'ai pris pas mal de photos, j'ai également signé des cartes etc, mais ce qui m'intéresserait surtout c'est récupérer eh bien simplement les photos que j'ai pu prendre avec vous, puisque j'aimerais bien vous faire une sorte de petite mini collection. Donc voilà, si jamais vous vous reconnaissez, on a pris une photo ensemble ou X raison, n'hésitez pas à me la renvoyer, que ce soit sur Twitter ou Instagram, je la récupérerai bien volontiers. D'ailleurs je pense que j'utiliserai peut-être même une photo pour la miniature, je sais pas encore, mais en tout cas voilà, je vous remercie tous parce que c'était vraiment à chaque fois un super moment. Je le redis parce que certains me l'ont dit sur Twitter qu'ils n'avaient pas osé venir ou quoi que ce soit. Franchement, même si je suis avec des amis ou même si je suis avec d'autres abonnés, faut pas hésiter à venir. Ça prend 5 minutes, on passe un petit moment ensemble, on discute, etc. Parfois vous avez déjà laissé des commentaires. Je vous reconnais même si je vous connaissais pas forcément IRL. Et franchement, à chaque fois ça se passe super bien. Donc merci pour ça. Et c'est parti pour le début de cette vidéo, à savoir l'explication de mes match-up. Au niveau de mes match-up, du coup, comme je le disais en introduction, j'ai fait que 7 matchs puisque eh bien, je n'avais pas les 13 points nécessaires pour faire le J2. Donc la première round, elle était assez surprenante et c'était un peu marrant également au passage. C'est que j'ai commencé par jouer ma première round contre Obscurity, donc le youtubeur qui faisait des vidéos bien avant moi. La bonne nouvelle, c'est que bah, pour moi, il jouait Blackwing. Donc Blackwing vs Sinister, on va pas se mentir, j'ai pas eu trop de mal à gagner 2-0. C'était un bon moment, il y avait d'autres influenceurs à côté de nous, donc on a pu pas mal rigoler, parler, etc. avant que les rounds se lancent. Et voilà, bah, globalement pas grand chose à dire de plus. C'est vrai que le match-up était pas forcément incroyable, puisque bah, du coup à Sinister, je pose une grosse tower, je sais qu'il a pas de réponse. Blackwing va recevoir du support très bientôt, mais bah, pour l'instant le deck est pas incroyable, même s'il est très très bon. Mais face à Sinister, je savais que j'avais un avantage, donc voilà, j'ai gagné 2-0. On passe ensuite au second match-up où j'ai joué contre Branded, et là... Moi j'ai joué à Sinister en me disant Metacall, j'ai un très bon matchup contre Branded et contre simplement Sword Soul, et j'ai joué aucun Sword Soul de toute la journée. Et le seul Branded que j'affronte, j'ai réussi à avoir la chance de brick 2 fois, c'est quand même incroyable. J'ai joué contre une demoiselle, ça s'est très très bien passé, elle a gagné brillamment. Elle a fait pas mal de misplay et c'est vrai que c'est encore plus rageant pour moi. C'est vrai que sur le moment ça m'a énervé, pas contre elle, mais simplement de me dire que je sais que j'ai un excellent matchup, vraiment un très bon matchup contre Branded. Et je perds parce que je brique, et en plus de ça je vois des misplays qu'elle n'a même pas forcément vu elle. Du style, elle envoie Jamshane au cimetière 2 fois le même tour et elle active pas l'effet pour récupérer une poly, un polychimal, je sais plus comment s'appelle la carte. Et donc du coup je suis là genre c'est un peu bon, tant pis, j'ai perdu, c'est le jeu, ça arrive. Troisième round, je joue contre un zombie. Alors je sais pas trop quelle version de zombie. Est-ce que c'était un zombie punk comme on en voit beaucoup en ce moment? Est-ce que c'était un zombie pur? Est-ce que c'était un turbo lock? J'en sais rien, j'avoue que je sais pas trop. Parce qu'en fait je l'ai pas beaucoup laissé jouer. Et le seul board qu'il a réussi à faire qui était assez consistant, bah, j'ai eu la chance d'avoir droplet cosmique. Donc à partir de là, bah, le baller drop qui fait plus rien et le terrain il dégage, et moi je pose juste board OTK et j'ai gagné. Donc j'ai gagné 2-0 contre le zombie, mais c'était super sympa. Et en plus ce joueur là m'a dit bah c'est trop cool de jouer contre toi, on passe un bon moment, on a vachement discuté. Et il m'a dit que le joueur juste avant ne lui parlait pas du tout, et que bah il était trop content de trouver un joueur avec qui on pouvait échanger. Moi j'avoue qu'en duel je me prends pas trop la tête, sauf si on est, et vous verrez le match 7, j'avoue que j'étais peut-être pas le meilleur adversaire au monde, mais dans ces genres de matchs là où voilà, on est au début du tournoi, c'est chillax, on rigole, on passe un bon moment. Je me demande s'il a pas replay une fois, enfin j'en sais rien. Bref, on passe un bon moment et c'est le principal. Le match 4, j'avoue que je m'excuse auprès du joueur. Dans mon petit carnet qui est juste ici, je note toujours mes duels, contre quoi je joue et combien j'ai gagné. Et j'ai marqué des links 2-0, j'avoue que je ne m'en rappelle pas. Je suis désolé, là, à mon avis la fatigue commençait pas mal à tomber parce que pour info, on avait 4h30 de route qu'on a fait le vendredi en arrivant, en partant du coup d'Angoulême. J'ai dormi quelque chose comme 3h parce que voilà, j'ai fait la connaissance du matelas gonflable qui est sûrement une des pires choses au monde. J'avais des vagues souvenirs mais je savais pas que c'était aussi horrible. Et voilà, j'avoue que la quatrième round, on a dû la jouer peut-être vers 19h, peut-être même plus, j'en sais rien. Et j'avoue que je commence à être très fatigué. Donc je m'excuse auprès du joueur des links. J'ai marqué des links 2-0. J'ai probablement joué contre des links, mais je n'en ai aucun souvenir. Vraiment désolé. Round 5, donc à ce moment-là, j'étais déjà en 3-1. 3-1, c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus incroyable de la défaite
en deuxième ronde. Cinquième ronde, je joue contre un Flunder. Première game, je m'en rappelle, le gars était super sympa. Je pose tower, il scoop, donc je n'ai aucune idée de ce qu'il joue. Deuxième game, il fait son board machin avec enfin, impossible pour moi de passer. Et troisième game, il a une mauvaise main et j'y fais Terra. Et en fait, je me dis, j'ai eu peur qu'il fasse Terra into mine. Donc j'ai H Terra et derrière, il fait Po. Il révèle toutes ses cartes, il fait son board. Moi derrière, j'ai pas grand chose, en tout cas pas de quoi je crois out sa statue. Et je me retrouve à ne pas pouvoir jouer. Et il m'a dit, non mais je joue pas mine, tu m'aurais H le pot, bah je pouvais rien faire. Bref, j'étais déjà encore fatigué, mais là en l'occurrence, je pense que c'est vraiment juste une erreur de joueur, c'est pas une histoire de fatigue. J'ai donc perdu contre Flunder, donc je me retrouve en 3-2 à ce moment-là de la journée. Je gagne la game d'après et toutes mes condoléances à ce joueur Eldritch, qui je pense a dû me détester. Je joue contre Eldritch, je pose tower, il scoop, donc je ne sais pas ce qu'il joue. Je rentre des cartes de Go 2, je grande des Nibiru, etc. parce que je sais pas trop ce qu'il joue lui. Bah naturellement contre les je ne résous jamais Nibiru, donc je perds la deuxième et la troisième devait être infâme pour lui. J'ai belle plusieurs fois le recyclage de son, j'ai Crow Didi, la seule carte qui lui permettait d'accéder à Sanguine. J'ai belle plusieurs fois le Lich au Lord de cimetière qui se remonte, donc du coup il faisait du CA nul et en fait j'ai gagné à coup de Hashishi tap 800 et je crois que j'ai fini par un norme, un Picari à 1200 et j'ai gagné comme ça, donc c'était nul, mais bon voilà, c'est une victoire, je suis en 4-2 et donc il me reste une rune et on entend qu'il faut absolument 13 points pour passer le jour 2 et donc en 4-2 je n'ai que 12 points à ce moment là de la journée, donc il faut absolument que je gagne ou que je draw pour gagner la dernière et je donc contre un Plunder Brave et je vais désamorcer le truc tout de suite parce qu'on est venu m'en reparler par la suite. Le joueur Plunder Brave était dans la même situation que moi, on était en 4-2, il était très tard et il n'y en avait que un de nous deux qui allait jouer le lendemain, donc on était forcément un petit peu tendus tous les deux. Et je pense qu'il était fatigué ou j'en sais rien, mais je l'ai trouvé relativement désagréable, du style, je fais une action et tu sais, il est là genre, attends, ok, tu peux jouer. Tu sais, assez agressif en soi, c'est un joueur d'une équipe que je connais, donc j'ai pu jouer avec d'autres joueurs qui m'ont dit qu'il était pas du tout comme ça et que c'était probablement la fatigue. J'accepte, tu vois, franchement, c'est ok, ça peut arriver, machin, il n'y a pas de souci. C'est vrai que sur le moment, je l'ai assez mal pris parce que d'une part, il m'élimine du tournoi, deuxième part, bah, c'est pas agréable de jouer contre quelqu'un comme ça, en fait, tout simplement, mais je pense pas que ça soit lui volontairement. Donc voilà, je finis l'événement en 4-3, malheureusement pour moi, pas de J2, mais ça s'est quand même plutôt bien passé en soi. Je suis assez content des performances d'Atinister. La bonne nouvelle, et je l'ai découvert par la suite, c'est que je suis qualifié pour le championnat d'Europe puisque j'avais fait un top 4 à un OTS Championships. Donc là, je suis en train de traîner un deck un peu plus énervé que Atinister, parce que je me rends bien compte qu'Atinister, même si je le trouve très ok, dès que tu commences à jouer contre autre chose que de la méta, et là en l'occurrence c'était le cas, bien malheureusement tu te fais un peu taper dessus. Pas de chance, j'avais pré-shot le fait de jouer contre du Branded et du Sword Soul, j'en ai tapé un seul de tout ce que j'avais prévu, donc tant pis pour moi. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sans plus attendre à la decklist pour que je vous présente un petit peu ce que j'ai joué et globalement quels étaient mes choix pour cet événement. Donc voilà la liste que j'ai décidé de jouer pour l'événement. C'est une liste relativement classique avec des ratios relativement classiques. Je décide de ne pas jouer Mystic Mine, même si c'est probablement une bonne carte. Il y a un joueur à Tinister qui m'a fait tout un speech en m'expliquant que c'était sûrement la meilleure façon de gagner, etc. Très sincèrement, je préfère ne pas jouer Mystic Mine que de gagner comme ça. Un de Yon, pas deux, parce que je trouve que c'est pas nécessaire. Les starters classiques. Le Gachiri et le Iyari, alors il faut savoir que Iyari et Gachiri se spé tous les deux et Iyari permet de sacrifier un autre sur le terrain pour tuto Gachiri. Gachiri rend inaffecté, c'est juste beaucoup trop fort. Dadmari qui permet d'annuler une attaque et de le spé de la main et si t'as un lien 6, il se coste du terrain ou du cimetière, enfin tu le banisies en coste du terrain ou du cimetière et tu annules un face recto. Le Bouloulou qui permet de foolish, qui est une brique en soi, même si pas tout le temps le cas. 3 starters également ici, 2 terrains seulement et un eye contact. Pour moi c'est suffisant, t'as pas envie d'avoir un troisième terrain en main. C'est chiant parce que du coup il y a des situations où tu te dis avec Picari, ok j'ai deux terrains, je vais aller chercher avec contact, mais si tu pioches que des free spots, bah, tu finis avec un board nul. Un reborn, deux reborns. Les deux reborns sont intéressants parce qu'ils ont chacun entre eux des effets qui sont assez intéressants. Lui c'est un effet rapide donc ça va permettre plusieurs effets, ça va permettre également de recycler une autre magie du cimetière pour la mettre dans ta main. Et lui il va avoir un effet qui va se trigger avec Picari, avec Hashishi. Si t'as un de tes monstres qui va être détruit, tu peux bannir Hashishi. Du coup tu peux bannir ça à la place. Et du coup vu qu'elle est bannie, tous les monstres lien 3, tous les monstres avec 2300 d'attaque à Sinister ne peuvent pas être détruits. Moi c'est un truc quand même assez intéressant. Au niveau des free spots, bon on a les signettes bien évidemment qui sont un starter supplémentaire parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 starters à 43. Je joue à 43
3 parce que 3 cosmiques. Voilà, à la base j'étais à 40, j'avais une très bonne liste à 40. J'étais peut-être même à 41 parce qu'il me semble que j'avais 3 impermes. Et j'ai décidé de passer à 43 pour rentrer les cosmiques, pour respecter les Mystic Mind. Et en fait, les cosmiques m'ont trop servi plein de fois contre zombies, contre. Voilà, c'est juste trop utile. 3 doplets trop fort parce que tu peux cost ton terrain. Cross out et call by, ça me paraît mandatory dans le deck. Clairement, t'as pas trop le choix. H qui est également mandatory dans le format parce qu'il y a trop de trucs qui dépendent juste de H. Et ensuite, pas mal de targets à cross out. Donc, 2 Nibiru, 2 Crodidi, 2 Bell, 2 Imperm. Ça me paraissait nécessaire. Les Bell m'ont servi, même si je pense que, après réflexion, j'aurais pu cut les 2 Bell, mettre 3 Crodidi. Et du coup, bah, éventuellement, soit jouer à 42 avec 3 Crodidi, soit jouer à 43 avec 3 Imperm. Bell était forte, ça m'a servi effectivement contre le Lich. Mais est-ce que si j'avais pas eu Crodidi, le problème n'aurait pas été réglé directement? A voir, tu vois, genre c'est tout à fait envisageable. En tout cas, ça c'est la liste pour le main. Je la trouve très ok. Moi, je suis content de la liste. 3 drolls pour le side, évidemment. J'ai hésité à jouer drôle main et en même temps, je suis pas sûr que ça m'aurait beaucoup servi sur l'événement. Un troisième Nibiru pour les match-up combo, un Plumeau et un Red Reboot pour les match-up back row. Faut respecter ça, hein, on va pas se mentir. Heureusement que j'avais ça contre le Lich. 3 Rivalry pour pas prendre de cailloux et puis parce que c'est un peu chiant dans le format. 3 Evenly Match parce que ça reste très très fort. Ça permet de gérer les match-up back row, ça permet de gérer, forcer certaines negates, etc. 3 dimensionnel barrière, sachant qu'en plus de ça, il y a des moves intéressants avec Evenly, genre t'actives Evenly, il répond, tu chaîne droplet, cost Evenly, t'as toujours qu'une seule carte sur le terrain, mais t'en as élu une de plus sur le terrain, c'est complètement ok. 3 barrières dim, que j'ai version secret juste avant l'événement, et que je n'ai pas activé une seule fois de tout l'événement. Peu importe, c'est le jeu. Encore une fois, j'avais Metacall Branded, et j'ai pas joué contre Branded, tout simplement, donc voilà, je suis peut-être un des seuls mecs qui avait Metacall de jouer contre Branded, et qui n'en a pas affronté, enfin un seul, mais du coup... j'ai rien pu faire contre parce que ma main m'a juste dit non. L'inconvénient de la Tinister, c'est que t'as des mains quand même qui te disent non. Typiquement, t'as ça, une droplet et un cosmique. Bah, tu fais juste rien. En fait, tout simplement, tu joues juste pas. Pegasus obligatoire. Grosso modo, en fait, y a rien de spicy dans mon extra deck. Y a juste Itzul qui a été rentré et qui m'a sauvé un nombre incalculable de fois parce que des fois, tu turbo juste Itzul. Paye 1000, déjà ça t'évite de burn avec AI Contact, avec Mithyu, et ensuite au lieu de payer 2003, tu te payes 1000, et ensuite tu pioches 1, donc c'est juste très très fort. Et le Avramax qui vraiment est un homme, parce que quand tu prends interruption sur Templar Enfant, et ben des fois tu fais juste rien, et c'est pas fou, alors que du coup tu fais Avramax, qui est un 2+ monstre de l'extra deck, et je rappelle qu'il peut pas être ciblé, tu dois l'attaquer, il gagne l'attaque, et s'il quitte le terrain, tu buns 1, donc ça reste une play à gérer, c'est toujours plus fort que laisser juste Templar et Enfant sur le terrain, donc en soi c'est plutôt ok. Et voilà, globalement pour la liste, c'est vrai que c'est assez rapide comme présentation, mais en soi j'en suis assez content. Je l'ai mis un peu en pause pour le moment, pas que j'aime pas Atinister, mais je pense que ça manque un petit peu de support malheureusement. Un petit quick launch Atinister, ça serait vraiment incroyable, j'y crois pas trop, mais voilà pour la liste main. Je vais maintenant parler un petit peu de l'événement. Alors sachez que j'ai été au même stade que vous, voilà, moi aussi j'ai attendu pour les rounds, moi aussi j'étais pas très content de l'organisation, moi aussi j'étais surpris de pas mal de comportements, aussi bien de l'organisation que toutes ces choses là voilà, j'étais un petit peu déçu de tout ça. Maintenant je pense qu'il faut relativiser et se dire que y a plein de personnes qui sont pas responsables. Je pense que la seule chose qu'il faut espérer, c'est que pour les années prochaines ça soit mieux. Personnellement, j'ai pu dire ce que j'avais à dire aux personnes concernées, et à partir de là j'espère juste que ça pourra porter ses fruits. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, évidemment le pouce, l'abonnement, n'oubliez pas, si jamais je vous ai vu sur l'événement, on a pris une photo ensemble, n'hésitez pas à me l'envoyer, ça me ferait extrêmement plaisir de la récupérer. Encore une fois, merci à tous pour votre bienveillance. On se retrouve dès la semaine prochaine pour recommencer un petit peu des vidéos. J'ai quelques sujets que je veux aborder, d'explications, parce que c'est vrai que je vois passer des choses et je me dis, ça peut être sympa de parler de cet archétype-là ou de ce combo-là qui peut rentrer un peu partout. C'est assez générique. Je parle principalement de Punk et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à faire avec Punk. Prenez soin de vous, Phenom Roduel et collection de cartes. Surtout à bientôt les potes. Allez, ciao !